Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Avant de poursuivre le programme du culte, nous allons, par l'ordre de sa grandeur, donner la parole au représentant légal. Légal, vous avez la parole. Amen, peuple de Dieu. Apparemment, vous n'êtes pas dans la joie d'être là. Je voudrais que sa grande prophète réalise que l'église des Gabon est là. Amen, hein? Amen, peuple de Libreville! Nous chantons la vérité, nous poussons la vérité. La 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 la. Nous poussons la vérité, nous poussons la vérité. La 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 la. Du monde entier. Autorité. Yabana Iluba. C'est vous qui va bien beau. Ah ah, autorité. Yabana Iluba. C'est vous qui va bien beau. Nous chantons la vérité, nous prêchons la vérité. La 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 la. Dans le monde entier. Sa grandeur, le prophète Condé Paulo Dominique, fondateur, chef spirituel de l'église de l'Obananzambé. Papa, nous ne savons rien vous dire du fait que vous-même vous observez. Vous observez cette église à l'heure actuelle qui totalise exactement 13 ans d'existence ici dans cette grande ville, parce que je dois rappeler sa grandeur que c'est depuis 2010, fin 2009, début 2010, que vous avez donné l'instruction de lancer l'église de Gabon. Sa grandeur, comme certains d'entre nous le savent, nous avons péniblement commencé cette église à Zanyon. Sa grandeur, c'était des moments où il fallait asseoir la doctrine, et à Zanyon tout a commencé. L'histoire de cette église est partie des Zanyon, et puis après papa, nous sommes partis au lac Bleu où l'église a connu quand même un déclic exceptionnel. Et de lac Bleu, papa, nous sommes encore montés au niveau de la démocratie. Et après la place de la démocratie, papa, comme on était trop attaché à Zanyon, nous sommes rentrés encore à Zanyon. Et sa grandeur, jusqu'à ce que vous nous avez trouvé derrière l'hôpital général, dans ces sièges le plus luxueux, le plus attrayant, le siège derrière l'hôpital général, sa grandeur, où l'église du Gabon a voulu donner
à l'église, à la confession religieuse Lilobalanzambe, un siège au diapason de sa grandeur. Sa grandeur, l'église a fortement évolué. Au-delà de Libreville, la toute première province, sa grandeur qui a accueilli l'église, c'était à Port-Gentil. Après Port-Gentil, l'église est partie à Franceville. Après Franceville, je me souviens, on a ouvert avec l'actuel Moussa. Et puis à Oyem, je crois, on est allé à Koulamoutou, je crois, si j'ai une bonne surveillance. Sur les 9 provinces que compte la République du Gabon, papa, nous sommes présents dans 8 provinces. Je crois, si je ne veux pas massacrer les noms, la dernière province, je crois, c'est Manyanga, c'est ça? Nyangama? Nyangara, voilà. C'est l'unique province où l'église n'est pas encore implantée. Grâce à votre passage, certainement, on va ouvrir certaines cellules. Sa grandeur, prophète Condé Polo Dominique, que vous dire de ce peuple si joyeux, de ce peuple si enthousiasmé? La communauté de l'église Lilobalanzambe du Gabon, papa, m'a juste donné 3 messages à vous transmettre. Le premier, c'est vous dire infiniment merci. Je crois que c'est ça, hein? Le premier, papa, c'est de vous dire infiniment merci. Merci pour cette doctrine que vous avez amenée dans ces pays. Merci pour l'amour que vous témoignez à cet État, le Gabon. Et merci surtout pour l'accompagnement spirituel que vous ne cessez d'opérer avec vos fidèles ici présents. La deuxième des choses, la communauté gabonaise de l'église de Balanzambe m'a dit ceci, papa. Le Gabon, c'est chez vous. Venez. Ils seront très heureux de vous voir presque chaque mois ici. Ouais. C'est un grand plaisir pour eux. Ils vous disent, en tout cas, faites du Gabon votre seconde patrie. Parce que la communauté m'a dit, papa, ces 5 ans de votre absence, ça a été très pénible pour eux. Mais, comme nous l'avons dit le vendredi, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par... Et enfin, la troisième des choses, sa grandeur, que le peuple si chaleureux, si enthousiasmé du Gabon m'a demandé de vous dire, papa, on ne peut rien vous rappeler. Spirituellement, vous savez voir les difficultés, vous savez voir les situations accablantes de vos fidèles, mais tout ce qu'ils vous demandent, papa, que tu leur donnes la paix. Cette paix qui surpasse toute chose. Ils m'ont dit d'implorer la paix. Parce qu'ils savent que la paix que vous donnez, cette paix leur donne l'assurance, leur donne la bonne santé, leur permet d'accompagner l'église et d'accomplir les œuvres de la bonne foi. C'est comme ça que, à l'unanimité, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin que vous priez pour eux qu'ils aient des immeubles,
mais que vous priez pour eux, qu'ils aient la paix de l'âme et la paix physique. Sa grandeur, je terminerai certainement ces propos du haut de votre tribune pour rappeler sa grandeur, la tâche aussi lourde que vous avez de gérer à travers le monde plus de 187 églises réparties dans plusieurs états, et tout ça c'est sur votre dos. Ils m'ont dit en substance, désormais, l'opération fonctionnement, ils m'ont dit de vous dire que Gabon sera toujours premier devant tous les états au niveau de la facture. Et pour terminer, la communauté de l'église Lilobalanzambe du Gabon m'a demandé de vous demander très respectueusement de demander à la distinguée Mama Safala de se mettre debout pour que la communauté les salise, parce qu'elles disent ça, c'est leur maman, c'est la maman qu'ils portent à cœur. Oh. Merci, merci. Ça, merci. Sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, fondateur et chef spirituel de la confession Lilobalanzambe, papa, le choix de cette salle. Vous voyez vous-même, il y a des splits partout. Logiquement, si ces splits n'étaient pas en panne, on allait congeler ici à l'intérieur. C'est une salle extrêmement VIP, mais malheureusement, le split, la plupart d'entre eux sont tombés en panne. C'est comme ça que la communauté de l'église Bonanzambe au Gabon m'a juste demandé de vous présenter des excuses. Nous aurons un endroit assez agréable où vous serez à l'aise, où il y aura chaleur. C'est ça, hein? Pour terminer, ils attendent la Sainte Seine, qui sera la Sainte Seine unique pour tout le monde entier. Le 2 juillet, la communauté de l'église de Balanzambe du Gabon va foncièrement contribuer pour soutenir l'unique Sainte Seine que tout le monde entier aura. Ça sera le 2 juillet au stade de Martyrs de Kinshasa, où le prophète, pour la toute première fois dans l'histoire de cette église, célébrera une Sainte Seine, mais une Sainte Seine qui se fera à travers le monde, au même moment qu'elle lui soulèvera le pain, au même moment que les habitants du monde qui ont adhéré à cette doctrine soulèvera le pain. L'église de Balanzambe du Gabon vous rassure de leur accompagnement et vous dit, papa, ne vous inquiétez plus de rien, parce que eux, ils le savent, on est au bon endroit. On est... On est... Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, les amis, les amis, oh, les amis, les amis. Et papa, je clôt mes propos en réitérant leurs salutations, en vous souhaitant
au nom de cette communauté un bon séjour ici dans cette précieuse et majestueuse ville qui est Libreville, tout en espérant, vous et toute la délégation, que vous passerez un long séjour qui sera un séjour agréable. Voilà le message que l'Église m'a donné. Je transmets ou je n'ai pas transmis? Je pense avoir transmis fidèlement leur message, tout en vous remerciant encore une fois sa grandeur. Soyez les bienvenus à Libreville. Merci.